C'est ça que ça a l'air avant que je parte, si je pars demain. Là. La toilette est montée de même. Je vais marquer ici ce que j'ai fait. La douche est quand même assez bien finie. Bon, c'est embrouillé quoi. Ça, c'est une douche qu'on a faite installer. Que j'ai fait installer Mira. Ça, c'est la douche. La pression en masse. Ça, c'est un chauffe-eau. Ça, c'est le trou de la douche. C'est le frigidaire. C'est la maison, on est déjà dehors. Pas trop long qu'on se retrouve dehors. C'est un peu ça. C'était Pascal Houle pour le départ ultime. Je suis bien alerte. Qu'est-ce qui se passe? Vous pouvez remarquer ce chantier de construction qui est présentement très magnifique et époustouflant, rempli de joie et d'émotion, qu'on appelle la Via Romeo. Via Romeo. OK, regardez ici, la toilette magnifique. Hola, compañero, ¿cómo está? ¿Qué tal, cómo está? Bien. La toilette est enfin montée, ça a déjà pas mal d'allure, ça a l'air fou un peu, mais c'est pas fini. On va aller voir un petit peu plus loin en dedans. Voici maintenant l'entrée ultime de ma première vraie construction ici à Cuba. Pour marquer comment c'est quand même assez solide en haut, c'est entrelacé de briques. La manière que j'ai faite, c'est entrelacé, mais il va y avoir une colonne dans le coin, une méchante grosse colonne pour ça. Ça, c'est un châssis. C'est pas que ça a été oublié, là, c'est un châssis intermédiaire. Ça, c'est une autre colonne qu'il va y avoir dans le coin, là. Ça va être solide, dans ciment, 8 pouces par 8 pouces. Même chose ici, un autre coin interlacé de briques et pavé de briques jaunes. Bon, faut marquer si c'est solide dans Saint-Sacrement de Tabarnak de Colis. Puis là, il faut faire couper ça pour que les enfants puissent regarder ça. OK, là ici, c'est ce qu'ils ont fait aujourd'hui. Ça a pris à peu près une heure à faire ça. Ces blocs-là sont pas mal plus rapides, disons. Sont pas mal plus rapides à faire, on a déjà commencé à faire la finition. Ça, c'est comme un plaster. Ça. Si tu mets pas ça, là, ça marche pas, ça tient pas. Ça tombe. Ça tomberait même une mouche qui est écrasée. Comme marqué ici, c'est la continuation de la vieille maison en réalité. Là, ce qu'ils font, c'est qu'ils cassent ces blocs-là. Ouais, ils cassent ceux-là, tac, 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 pour rentrer là-dedans, pour que ça se tienne un peu plus ensemble. Là, c'est vrai, quand ça, c'est l'entrée électrique, ça. C'est assez futuriste. Ce poteau-là va dégager de là, il n'aurait plus. Oups! Problème de caméra.